m'appelle Simon Roussin. Et donc, mon dernier livre, c'est aux éditions Magnani, c'est Le bandit au Colt d'or. Donc, c'est un western, un livre illustré, un western dans la plus grande tradition du genre. En fait, ça fait longtemps que je voulais m'attaquer au western, mais en bande dessinée, je trouvais qu'il y avait des références existantes beaucoup trop lourdes. Et voilà, j'avais pas envie d'entrer dans cette catégorie, dans cette arène-là. Et en fait, le livre illustré me permettait, j'avais cette envie aussi de refaire du feutre après mes bandes dessinées aux éditions 2024 et de l'utiliser un peu différemment. Donc là, je pouvais faire des grands panoramiques, des grands paysages au feutre avec un aspect beaucoup plus pictural. Et voilà, ça m'a un peu fait changer ma manière de dessiner aussi. Là où le feutre dans mes bandes dessinées arrivait après le trait, souvent pour créer des ambiances ou pour remplir les formes, là, parfois le feutre venait avant le trait ou en même temps, et avec des réseaux de blanco aussi. Enfin, j'ai essayé d'être beaucoup plus expressif. Et puis voilà, et dans la narration aussi, ça change un peu ma manière de travailler, parce que ça se présente sous forme de nouvelles, enfin beaucoup plus écrites que Les Aventuriers, même le dernier livre chez Julien. Et donc voilà, ce livre, c'était un vrai défi par rapport à ma production habituelle qui est plutôt de bande dessinée.